lorsqu'on fait l'appel à la planche à billets, on risque de s'endormir encore. Oui, oui. Et ce que je disais tout à l'heure, la dette intérieure, parfois on ne l'accorde pas beaucoup d'importance, mais elle a aussi ses conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc le FMI, c'est des mesures de précaution pour dire attention, si vous continuez sur cette démarche de planche à billets, n'est pas saine. Elle va entraîner aussi la dépréciation du dinar. Et in fine, si jamais vous allez vers la convertibilité, votre dinar sera vraiment très déprécié et risque de créer des déséquilibres aussi. Donc la FMI, c'est un peu le gendarme de la monnaie. Il faut écouter ces alertes, ce n'est pas toutes mauvaises, parce qu'il argumente. Bon, sur la dette extérieure, moi je suis partiellement d'accord. On aurait pu combiner la dette interne et la dette externe. Pour ces questions de discipline budgétaire, oui. Ces questions de rationalité, hein, beaucoup plus. Peut-être, effectivement, c'est une démarche à suivre.